ça, c'est une ampoule qui pète de cinéma. Tu m'en voudras pas, par sécurité, je la fais péter dans un bocal. Hein. Au cinéma, s'il faut faire péter une ampoule au-dessus de la tête d'un comédien, bah il vaut mieux que cette ampoule soit fausse. Parce que une ampoule qui pète, bah ça veut dire du verre un peu partout sur le plateau. Du coup, pour faire une des méthodes qui existent, on va avoir besoin d'une fausse ampoule. Elle est en résine cassable comme les bouteilles ou les verres que j'ai pu vous montrer dans d'autres vidéos. Ensuite, moi je vais utiliser un allumeur. À l'intérieur, il y a une petite charge pyrotechnique qui va s'allumer à l'aide d'un peu d'électricité. Ici, on va pouvoir fournir cette électricité avec cette pile 9 volts. On n'a pas besoin de plus. De la résine cassable comme celle-là qui pète, il n'y a pas vraiment de danger. Sauf que ici, comme on est aussi chez moi et que j'ai un chat, j'ai pas envie de prendre de risque qu'elle se blesse, alors je vais faire péter ça là-dedans. Là, ce sera sécu. Donc on vient placer notre allumeur à l'intérieur de notre ampoule. La fausse ampoule est hyper fragile, faut faire super attention. Ensuite, c'est la partie délicate. Il va falloir que je relie un des fils à une des bornes et que j'attende un peu pour relier l'autre borne parce que sinon ça pète. Bon là, je le fais à l'arrache évidemment, mais aussi noche, ils auront un interrupteur ou un détonateur carrément.